Aujourd'hui, dans la Minute de Delphine, cuicui. Dans cette vue générale de la ville et du château de Dreux au XVIIe siècle, un détail à plumes attire notre regard. Sur un arbre, perché à droite, se tient un oiseau, un chardonneret élégant, reconnaissable à son masque rouge. Les libertés prises par l'artiste avec les perspectives de ce paysage expliquent peut-être la taille excessive du passereau. Regardez, il est aussi grand que les personnages qui se trouvent en dessous de lui. Dans les représentations de la Vierge et de l'Enfant, comme ici, la Vierge et le chardonneret de Raphaël, l'oiseau se trouve généralement dans la main de Jésus. Selon la tradition, il renvoie à la passion du Christ. En effet, son nom latin Carduelis dérive de cardus, chardon, plante qu'il a l'habitude de manger et qui évoque la couronne d'épines de Jésus. Ainsi, le sang du Christ est symbolisé par le masque rouge de l'oiseau. Mais revenons à notre tableau. Durant les guerres de religion, Dreux a souffert de plusieurs sièges. Le dernier, mené par Henri IV en 1593, a entraîné la destruction totale des tours du château et causé la mort d'un grand nombre de soldats et de civils. Le chardonneret de notre tableau serait-il alors une transposition de la Passion du Christ, symbole d'une ville meurtrie par les assauts militaires ? Ceci explique peut-être sa présence sur certaines plaques funéraires. Cependant, le tatouage me laisse perplexe. Ah, si, joie, bonheur, arrivée du printemps. Si le chardonneret élégant a une symbolique particulière, d'autres oiseaux n'en manquent pas. La colombe pour la paix, l'aigle pour le pouvoir suprême, le perroquet pour la prospérité, l'exotisme, l'érudition. Mais que dire de cet oiseau-là ? Vous l'avez reconnu ? Il s'agit du célèbre logo du réseau social Twitter. L'oiseau symbolise l'envol comme ces millions de messages qui voyagent à travers le monde et sa couleur bleue évoque le rêve. Et le saviez-vous ? Les messages envoyés via Twitter sont aussi appelés des gazouillis. Ce petit voyage au cœur d'une œuvre permet aussi un détour par la chanson. Alors, pour observer cette œuvre de façon décalée, je vous propose de chanter La Perdriole par le cœur des enfants. Le musée vous remercie et vous dit à bientôt pour une autre anecdote.